salut tout le monde net à la Ronde Bader, moins content pour me là ensemble avec nous jeudi à la pour nous capable venir parler de Copa América, la 48e édition, madame messieurs. Bien que nous connaissons le Brésil, et bien qu'on ait une belle victoire sur la paraguayenne de football là, mais ça qui est encore plus important, c'est que Vinicius Junior lui arrivé réaliser un doublé dans un côté là, permettre que Brésil lui-même prend deuxième place dans le groupe si là derrière deux formations colombiennes de football là. Nous compte rendu avec Pierre Saint-Jean Cabral depuis Cité Indépendance là, c'est-à-dire Gonaïve. Pierre Saint-Jean Cabral. 48e édition Copa América qui a organisé dans la zone am Sud-Lan, rappelons la organisée par la CONMEBOL. Et bien la fête dans le pays États-Unis, gagné un deuxième match qui est même table joué dans un groupe qui est le Brésil lui-même les trouver là. Qui c'est groupe D1. Hier soir, le Brésil qui fait une belle victoire, très intéressant pour le rentrer dans la compétition, ça, puisque nous avons dès le premier match, le Brésil était en petit doute, puisque il a fait match nul contre Costa Rica, les Ticos, 0-0. Eh bien, hier soir, le Brésil lui fait une belle victoire, 4-1 au départ de la formation paraguayenne de football. Mais bien avant, après, il a gagné l'équipe colombienne, qui lui-même gagné tête groupe ça, qui Tabgal fait victoire sous Costa Rica 3-0. Nous allons voir une idée de buteur dans 4 groupes ça et également classement comment les présenter après 2 matchs. 4 équipes au même yo gain joué dans cadre 48e édition Copa América. Tout d'abord, en première rencontre là, c'était de l'après-midi, Colombie de James Rodriguez, il t'a joué contre Costa Rica. On a pas le premier rencontre là, Costa Rica a fait match nul contre le Brésil. Et bien Colombie il t'a fait une victoire lui-même contre la formation paraguayenne de football. Colombie il bat Costa Rica 3-0. D'abord, c'est Luis Diaz dans 31e minute de jeu que je ne vois score pour les Cafeteros, la formation colombienne de football, d'avoir gagné Sanchez dans 59e nan et puis Cordoba dans 62e nan. Tabgal bay victoire là définitive pour capable sceller score là à 3-0 pour la formation colombienne de football. Le Brésil qui lui-même te gain obligation hier soir pour être capable faire victoire là puisque après en pile par en pile avec Dorival Junior comme sélectionneur équipe Brésil là, eh bien hier équipe là t'ai montré caractère si n'était capable dire comme ça. Il était jeune les ressources humaines nécessaires, il était jeune formule là devant équipe Paraguay qui lui-même t'ai prendre en piège brésilien qui tape tête pour tête avec le Brésil au lieu coach argentin qui a dirigé Paraguayan lui-même était capable d'opérer par contre était préféré jouer dans le même niveau avec le Brésil. Eh bien résultat c'est le Brésil qui fait victoire là, 4-1. Tout d'abord tu as gagné ouverture score là sur un passe de Lucas Paqueta dans 35e minute de géant. Vinicius Junior tu as marqué premier goal là, pour la sélection brésilienne de football qui t'a une délivrance pour les fans du Brésil. Mais bien avant depuis dans 31e là, Lucas Paqueta a raté un penalty pour le Brésil. 35e Vinicius Junior ouvre tout score là et sans trop tarder 43e Savinho Tabral joue un deuxième but là et Vinicius Tabral bail 3-0 dans 45e minute de jeu avant la pause dans les minutes additionnelles et puis Tabral gagne Aldirete dans 48e dans le retour après la pause qui Tabral joue un ouvre tout score là pour équipe paraguayenne à 3-1 et puis encore on l'autre penalty pour le Brésil Lucas Paqueta Tabral les mêmes transformé en but les ça nous dans 65e minute de jeu, ça qui vient by Brésil, victoire là, 4-1. Avant troisième et dernière rencontre, yo, classement il paraît comme ça. Colombie, c'est lui-même qui a dicté la loi dans le groupe ça. Comme leader, il y a 6 points, différence plus 4. Deuxième, le Brésil après victoire là, il a totalisé 4 points, il y a plus 3 comme différence des buts. Costa Rica en troisième position avec 1 point. Paraguay en beau dernier avec 0 point dans le cadre. Classement groupe ça, on a appelé groupe D1 dans le cadre. Copa América qui c'est 48e édition. Voilà pour les téléspectateurs et téléspectatrices des briefs de groupe D dans le cadre Copa América pour yo capable bien on idée dans le cadre édition spéciale Fort Diaspora TV. C'était Pierre Saint Cabral depuis Cité Indépendance pays d'Haïti en ville des Gonaïves. Bonsoir tout le monde, bonsoir Fermont et lui le rendez-vous c'est pour demain toujours dans des émissions spéciales pour la 17e édition de l'Euro 2024 et la 48e édition de la Copa América. Bonsoir tout le monde, restez branchés Fort Diaspora TV. Et oui, c'est ça, et merci Pierre Saint-Jean Cabral. Pas oublier dans ça qui a un rapport avec 47 édition ça, il y a gagné pour être capable d'avancer toujours, puisque je dis à la, nous connaissons, il y a gagné
deux rencontres dans le groupe A qui gagne l'Argentine là-dedans, qui a joué contre le Pérou et sans que nous pas oublier formation chilienne dans lui-même. Bon côté PAL, qui a gagné pour être capable de rentrer dans la bataille pour voir comment qu'il est capable de jouer et troisième place dans le groupe. Et si là, madame, monsieur, eh bien, j'ai que nous connaissons, Messi n'est pas présent. Jodi là pour la sélection d'Argentine de football. Pas oublier, nous avons quelques amis qui supportent nous pour nous capables de rentrer la caillou dans ce rapport avec 48e édition. Si là, n'est-ce pas, Jenny Mars? Copa América avancé, Brésil bat Paraguay 4-1. Vinicius Junior, meilleur joueur match là. Pour tout dommage dans Kai, sans hésiter, relé Samo Gatinski, dans numéro 954-995-3805, pour obtenir un service équitable. Dans affaire causer la santé, Vie Medical Center, c'est number one. Les chitakol dans Del Rey, allez faire une consultation, ou pas regrette, avec Zipon Coq, ou pas capable faire gol. France Belange, avec tout produit lié, met ensemble pour faire qu'elle nous content. Mésida en poissonnerie, dans numéro 661-703-2586. Ou mettre quoi pas que jeune poisson ou abdomi sous besoin rester connecté avec nous relé dans numéro 661-255-3909 rester connecté avec Fodia Sport TV Radio Nouvelle Lumière nous l'avons beau service Fodia Sport TV télévision pour la télévision moment. Et oui, c'est ça. Et n'a pas dit merci avec tout le monde, eh bien, qui a pas suivi édition spéciale, ça, dans sa guerre rapport avec la Copa América. N'a pas dit merci. Restez connecté avec Fodia Sport TV. N'a pas dit rendez-vous un peu plus tard pour nous parler de ça qui a rapport avec la Coupe d'Europe des Nations.